Et salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un petit mode circuit sur Assetto Corsa. Donc c'est le circuit de Kyalami. Alors je ne connais pas vraiment ce circuit, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai découvert parce qu'en fait le circuit qui fait partie de l'Intercontinental Challenge, donc avec SRO, va sortir normalement sur Assetto Corsa Competition. Donc comme il est disponible sur Assetto premier du nom, je me suis dit tiens on va se faire les dents là-dessus et puis on va commencer un petit peu à découvrir le circuit qui après quelques tours de piste s'avère quand même vraiment pas mal. Alors on connaît pas tous les circuits, mais là celui-ci franchement vu qu'il va arriver sur ACC, je me suis dit on va le tenter et c'est pas trop mal. Donc le circuit, alors l'historique, j'ai regardé un petit peu, j'ai un petit peu travaillé. Les circuits a été conçu, je crois, en 1962. Il est en Afrique du Sud. Et en fait, il y a eu des circuits, enfin il y a eu des courses de Formule 1 dessus. Je me rappelle plus, enfin très honnêtement, j'étais vraiment trop jeune. Il a dû avoir à peu près une dizaine d'années de Formule 1. Ça s'est arrêté, je sais plus si c'était pas en 2000 ou je sais plus, parce qu'il y avait le circuit, tout n'était pas aux normes en fait. Et il a été remis au goût du jour en 2009, je sais plus qu'en 2015 peut-être par la FIA, donc suite à pas mal de travaux. Et justement, il y a l'Intercontinental Group Challenge qui roule dessus. Il y a eu les 9 heures dernièrement qui se sont passées, donc ça doit être la semaine dernière, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça qu'ACC et Qnos en ont profité pour teaser un peu le développement du circuit. Donc il y a celui-là, il y a d'autres circuits qui vont sortir également. Je ne sais pas s'il y aura un pack avec plusieurs circuits ou alors si c'est que ce circuit-là en premier. Bref, on va regarder un peu tout ça. Dites-moi déjà d'ores et déjà dans les commentaires si vous connaissiez ce circuit. Moi, je le trouve très bien modélisé. Cette version-là, je vous mettrai également le lien dans la description. Et puis on se retrouve tout de suite en piste. Allez, on est parti, toujours à bord de la petite Audi avec laquelle je fais le championnat d'Assetto Corsa Competition, en tout cas celui qui vient de se terminer. Je ne sais pas encore pour la deuxième saison ce que je vais faire. Bref, on va changer de sujet. On va parler du circuit, donc sortie des stands. Et en deuxième, donc là je vous cache pas, tout petit setup. Et derrière, je vous ferai une petite course de 10 minutes. On laisse couler un petit filet de gaz. Longue courbe à droite. Et là-bas, un bon freinage. On reprend, on accélère. Petit freinage ici pour s'inscrire. Hop! À fond. Et là, un bon freinage et on relance. Pareil, gros freinage ici en deuxième. Et voilà, on vient de terminer le tour. Donc je fais les qualifs et je vous propose de se retrouver sur la ligne de départ pour la course de 10 minutes. A tout de suite. Allez, on est parti. Voilà, sur la ligne de départ, on est 16e, donc c'est parti pour 10 tours. Alors, s'il y a des petits bugs, c'est normal, parce qu'il y a quelques modes que j'ai récupérés. J'avais pas toutes les GT3 d'ACC. Donc la Honda, quelques-unes.
que le circuit est vraiment bien fait. Je vous le conseille vivement. Surtout pour le prix. Ah oui, il est gratuit. La stone, c'est un mode. Et là justement, son freinage, c'est n'importe quoi. Courte en ligne droite, elle carbure. Vraiment bien, circuit. Quand tu rejoues assez tôt au premier du nom, tu te dis mais pourquoi Kunos n'a pas récupéré le même moteur? Alors certes peut-être vieillissant, mais au moins ils ont les bases avec tous les modeurs qu'il y a dessus. CC a de beaux effets graphiques en termes de finesse. J'ai essayé également de nuit, les éclairages sont superbes avec tous les patchs. Ah, bien sûr, on est d'accord, hein, c'est pas le Assetto de base. Il y a le mode sol et tous les shader patch, mais. Chose que j'avais oublié de vous dire. Qui m'a un peu sauté aux yeux, notamment surtout en VR, parce qu'on a plus de ressenti et d'impression. Quand je roule de nuit, avec les phares allumés, les phares des concurrents derrière, la lumière se projette à l'intérieur du véhicule. Et j'avais fait deux ou trois essais sur ACC, même en mettant les options full graphique, et c'était pas le cas. Donc est-ce un bug? Dites-moi si vous, ça fait la même chose. On a l'éclairage des projecteurs et des diverses lampes dans l'habitacle, mais des concurrents, on l'a pas. Alors que c'est frappant sur AC. Bon freinage là ici. Ah bah justement, là, on va passer de nuit. Faire l'intérieur, non. Certains y seront allés. Ils seraient allés, enfin bref, vous m'avez compris. Allez, le podium est juste devant.
Ah ouais, de nuit, les repères sont totalement changés. Et là-bas, on voit la ville avec tous les spots. Elle est juste là. Je suis du bon côté de la piste. Putain, il est rapide le con. Le premier, je sais pas ce qu'il a comme voiture, mais... Je sors large, je sors très large. Il va falloir revenir. Allez, on est déjà revenu. J'ai mis le multiplicateur de temps assez élevé, comme ça on a le cycle bien complet. Là, le jour qui va se lever, je vous l'accorde, c'est pas très réaliste, mais c'est pour vous montrer un peu la différence d'éclairage. Qui, bon, encore une fois, on n'a pas le même ressenti que moi en VR sur votre écran. Bon, on est bien là. On va attaquer la ferraille dans le virage. Ouf, ouf, ouf. Bon, on est bien. Ouh, ça coupe. Ça part à la faute. Pas forcé.
Je sais plus comment j'ai mis en IA, 95, je pense. Ou l'intérieur. Ah, il me décroise, il décroise. Je sais pas où il est. Je sais pas où il est. Il est derrière. Allez, on passe P2. Il reste 2 tours. Alors j'en profite alors que je viens de passer à la deuxième place. À la SRT, on est toujours dans les inscriptions de la saison 2 d'Assetto Carsa Competition. La première saison s'est très très bien passée. On est en train de voir également pour monter des équipes. Donc il y aura un classement individuel et un classement par équipe. Alors qu'il faut que je fasse gaffe derrière, ils sont toujours là. Donc, n'hésitez pas. L'adresse du forum se trouve dans la description. Si ça vous tente, vous serez les bienvenus. Ouh putain, j'ai failli la perdre. Le vibreur. Vraiment hâte de voir ce circuit à la sortie. Il risque d'être splendide. Bon, bah, le premier est porté disparu. Où il est. J'ai l'impression qu'on revient en fin de journée. Encore une fois. Allez, dernier tour. Mmh.
Grosse erreur, grosse sortie. Ah oui, est-ce que je vous ai parlé tout à l'heure, l'éclairage dans l'habitacle? Eh ben, je me suis fait peur hein, sur la fin du circuit. Et voilà, terminé. Bon, on est sur AC, hein, y a pas les feux d'artifice et les fumigènes. C'est une belle course, belle bagarre avec le P3, le P4. Hop. Bon ben voilà, session est terminée, la course est terminée. J'espère que ça vous a plu, ce circuit là qui va bientôt arriver sur ACC, donc qui est présent sur AC. Voilà, on se dit à une prochaine, n'hésitez pas, je compte sur vous pour partager, liker et me donner votre ressenti. Et on se dit à la prochaine, salut!